Bonjour et bienvenue sur Frostpunk, cinquième épisode. Nos explorateurs sont en train d'arriver avec du bois et un noyau de vapeur. La tempête se rapproche, j'espère qu'on va pouvoir. Il faut absolument qu'on aille à la tour d'observation là. Dans les quêtes, il nous manque encore de construire 5 maisons, de démanteler les expéditions, collecter 8 000 de charbon et au petit matin, on va se retrouver avec une chute de température de 10 degrés encore. Ça fera moins 60. Au niveau du charbon, là, on est à niveau 2. Consommation, c'est pas top. C'est pas top du tout. Par contre, en termes de température, on n'est pas trop mal. Ok. Celle-là, on va... Non, on va la laisser. Ça, c'est une scierie. Ouais, bon, bah, petit matin, il faudra remonter un petit peu le chauffage de partout. En bas, là, le charbon et la scierie, ce sont des automates, donc ça ne risque pas grand-chose. Ok, on va activer un petit peu plus. Il est 20 h 30. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus, là? Ici, en bas là, il me dit qu'il n'y a personne. C'était quoi ça? C'est la scierie. Ah, et j'ai personne. Zut. Ici, j'ai un poste médical. Maison de soins. Poste médical. Je vais enlever une personne que je vais mettre ici. Ah, zut. Ouais, parce que je manque un peu de bois. Je n'ai pas d'automate supplémentaire. Est-ce que j'en ai un cours de construction? Je sais pas trop. Non, là, je suis en train de faire trois prothèses pour pouvoir guérir les trois amputés. Ouais, les trois amputés ici. Et là, il y en a trois qui sont en soins palliatifs. Je n'ai plus d'automate disponible. Non, j'ai plus personne vraiment de disponible. Bon, on va voir ce que ça dit. Il est quelle heure? 3 h du mat. Attention à la chute de température. Il va falloir augmenter un petit peu les chauffages pour protéger les arches. Hop. Alors, eux, ils sont arrivés à la première étape. Maintenant, il faut qu'ils reviennent à la ville. Il leur faut combien? 7 heures. Ok. Et après, on va vite les renvoyer. Je pense qu'on passera par là et puis par là. Il faudrait vraiment qu'ils aillent vite. Notre recherche n'est pas terminée. Ça, c'est dommage. 78%. C'est un petit peu embêtant. Bon, on va... non, pas ça. On va monter ici les chauffages. Là. Là. Dans les arches, voilà, parce que là ça va cailler. Ici, 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 je sais pas. Voilà, c'est le matin. Le mécontentement est à la limite de l'espoir, c'est un peu juste à tout ça. Allez, il va être 7 h du mat. On se remettra à bosser. Voilà. Et on est retombé à frais. Là, je vais rallumer ici pour le bonhomme qui travaille à la scierie, mais il fait toujours aussi froid. C'est un petit peu embêtant, ça monte pas. Non. Là, le chauffage est mis, mais il n'y a pas grand monde. Enfin, ça chauffe pas beaucoup. Ok, recherche terminée. Maison. Ça tombe bien, il va falloir en faire 5. Qu'est-ce qu'on va améliorer? Mine de charbon à vapeur. Puisque j'ai débloqué le niveau 3 des recherches, là, ça demande 2 noyaux de vapeur. Scierie à vapeur. Ouais. Isolation des postes de collecte. On va voir au niveau du chauffage. Il y a certainement puissance du générateur 2. Portée des foyers. Ouais, ça me dirait bien de l'augmenter, ça. Ça demande 9 heures. Ou les radiateurs améliorés. Ah! Je pense qu'on va faire les radiateurs améliorés parce que ça va cailler, quoi. Donc on fait ça, on verra bien. Allez les gars,
on y va. La température est trop basse ici. Eh bien, on va monter le chauffage là. On va monter le chauffage ici dans le poste médical. Voilà, ça va aller un peu mieux. Il va y avoir un petit peu plus de malades, je pense. Et surtout, on n'a pas grand monde. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Au niveau des prothèses, là, ça booste un peu. Ouais, il en reste une. Alors, est-ce qu'ils ont équipé les gens avec des... Là, il me dit qu'il y en a quatre. Les éclaireurs sont rentrés en ville. Ils ramènent plein de bois et un noyau. C'est très bien. Donc, eux, on va les renvoyer. Vite, vite. Hein. On va les renvoyer. Alors, si j'y vais directos, ça va me demander au moins 2 jours, ça. 2 jours et 3 heures, il me semble. Si on passe par là, là, il y en a pour 16 heures. Allez, on va les renvoyer là d'abord. Ouh là 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 là, je pense que... On n'a plus que 1000 en charbon. Il faut absolument que je... Que j'augmente la productivité du charbon, quoi. Alors, j'ai un peu de bois. On va peut-être pouvoir... Je sais qu'il fait moins 60, mais on va peut-être pouvoir faire des maisons. Alors, il m'en faut 5. Une. Deux. Trois. 4 et 5, ils vont tous se retrouver à la rue pendant un petit peu de temps. En plus, j'ai personne. Si j'ai une personne dispo, c'est peut-être quelqu'un qui a eu sa prothèse. Là, on en est où là? Encore une à faire. J'ai une personne dispo. Il faudrait que je la mette. Je vais la mettre ici. On collecte des arbres, je vois que le charbon diminue. Qu'est-ce qui se passe là-haut? De longues heures de labeur. Capitaine, nos habitants sont épuisés et certains d'entre eux font des rotations étendues depuis des jours. Ces efforts se font ressentir et ils commencent à être agités. Ils ont besoin d'une pause. Donc si jamais je vais enlever les rotations régulières pendant 3 jours. Donc là, voilà, je vois que c'est déjà validé. Donc surtout, je ne touche pas les rotations régulières. Ça a bien fait baisser le mécontentement. La température va remonter demain. Les radiateurs améliorés, c'est terminé et c'est très bien. Ça augmente de 2 niveaux les chaleurs. L'efficacité des radiateurs, ça permet... Ah, j'ai pas assez d'acier. Pourquoi je n'ai pas assez d'acier? Puissance du générateur. Oh là 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 là. La portée des foyers. Bon, et si je me essaye de me concentrer. Bon, là c'est d'accord. Ouais, ça c'est l'usine. Automate éclaireur. Oh. Traîneau d'éclaireur allégé. Ça permettrait d'aller plus vite. Ouais. Ça permettrait d'aller plus vite. Il faut absolument. Je vois que le charbon diminue de façon drastique. Consommation, voilà, oh là 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 là, on n'est pas bon, on n'est pas bon. Les lois sont terminées, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au niveau des lois? Ration supplémentaire pour les malades, non, alcool artisanal, bof. Rotation étendue, c'est fait. Peut-être qu'on devrait tabler sur les rations supplémentaires pour les malades. On n'est pas obligé de l'appliquer, mais peut-être que ça va faire baisser le mécontentement. Allez, on y va. 8000 de charbon, je n'ai même pas 1000, quoi. Ça, c'est embêtant. Ma scierie, là, elle produit quoi? 30,8. Et en fait, il me faudrait peut-être faire progresser la mine de charbon ici, quoi. 14,5 à l'heure. C'est pas top. C'est pas top. Bon, c'est la fin de la journée de travail, déjà, à peine 18 heures. Voilà, là, là, là. Il va falloir absolument faire progresser les mines de charbon, quitte à mettre une deuxième. J'ai 4 mines. Ah, là, là, là. Est-ce qu'il vaudra mieux faire un automate ou davantage de mines de charbon? Je sais pas trop.
Donc on ne touche pas, là il fait frais, donc ça va. Ok, on n'en met pas le chauffage, on ne touche surtout pas à la rotation d'urgence. J'ai 3 jours à tenir. Le mécontentement diminue. Bon, c'est déjà bien, peut-être parce qu'ils sont rentrés chez eux à 18h. Ça baisse, le mécontentement diminue fortement. Il y en a deux qui sont sans abri. Et pourquoi donc? Oh. Pourquoi donc? Alors, on va peut-être refaire une maison supplémentaire. Ah, il me manque une maison, en fait. Ouais, exact. On va peut-être pouvoir la faire par là. Près d'un chauffage. Ok. Voilà, venez faire la maison, les gars. Pourquoi j'ai 200 abris, je sais pas. J'ai 4 amputés, mais comment ça se fait? Encore un ici, ça demande que de l'acier, et l'acier, j'en ai vraiment pas beaucoup. D'où est-ce que je tire l'acier déjà? Ça, c'est quoi? C'est l'aciérie, justement. Et qui travaille avec un automate, il fait une température glaciale, il produit 2,2 à l'heure. Ah bon, on va pas aller loin. Ok, eux ils sont arrivés là, c'est déjà bien. Et maintenant on va vite les faire aller là, il faut 21h. Oh là là là. Les gars, vous allez avoir les traîneaux allégés, donc ça va vous permettre d'aller un peu plus vite. Demain matin, la vitesse, la température remonte de 10 degrés, ce sera qu'à moins 50. Tout va bien. Voilà, allez-y. On va accélérer, ils ont fait la maison, il y a plus de 100 abris. Le poste médical, il fait ce qu'il peut. Le bois, ça va. On va remettre quelqu'un au niveau du poste médical, je pense. Oui. Ah, j'ai personne disponible. C'est qui que j'ai disponible alors? Un ouvrier, d'accord. Et là, il fallait un ingénieur. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre... Enlever. On met une personne ici. On enlève un ingénieur que l'on va remettre au poste médical. Voilà, 3 sur 5. Ça devrait. Allez, la température va remonter. Vous affolez pas, les gars. Un charbon, on est vraiment très, 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 très juste. On va vite couper tout ce qui ne nous sert pas. Donc ça, on peut le couper. Ça aussi. Ça aussi. Ici, il fait bien chaud, j'ai mis des maisons. Donc, on va couper quoi? Ici. Ah, là, ça redevient frais. Et là, ça redevient frais aussi. Éteint. Get to work. La consommation de charbon est vraiment pas terrible. Ça m'embête parce que je suis à niveau 2. Si je passe à niveau 1, ça va peut-être pas être top. Ça, c'est le poste de collecte. Ouais, ils sont bien chauds. On a les générateurs à vapeur qui est allumé ici. Si jamais je les coupe. Ça retombe à frais. Frais, c'est supportable encore. Ok. On va laisser comme ça. Lui, on peut le couper également. Ça, on va pas trop couper. 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 Voilà, on coupe tout ça. Est-ce que au niveau de la consommation, on est redevenu à peu près correct? Ouais, pas trop. On va manquer de charbon. Putain, regarde ça. Donc, prochaine recherche à fond, c'est pour améliorer la mine de charbon. Tant pis, ça consomme 2 noyaux. J'en ai encore un dispo. Allez, il fait moins 50. Je ne vois rien venir à l'horizon. Voilà, ils ont terminé les traîneaux d'éclaireurs. Allégés, donc ils vont pouvoir aller beaucoup plus vite. Par contre, au niveau ressources,
Il me faut absolument améliorer le charbonnage. Optimisation du charbonnage, c'est déjà fait. De charbon à vapeur, ça produit plus. Il me faut 40 d'acier, j'en ai 48. Ouais. On fait ça. Allez, c'est parti. Je sais pas s'ils vont pouvoir le finir dans la journée, ça m'étonnerait. J'ai toujours mes 4 amputés, je sais pas pourquoi. Là, vous bossez pas les gars. Ce serait peut-être temps de continuer à faire une prothèse supplémentaire, là. Ils sont deux, je sais bien. 51 personnes en tout. Et là, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? La qualité de la nourriture. Encore? Non, on peut pas. On ne peut pas. Ah, le mécontentement a fortement augmenté, la vache. J'ai plus que 400 de charbon. Et ici, ils n'ont plus rien. Lui, la scierie, là, hop, on va l'arrêter. Il n'a plus rien à collecter, donc on va la démanteler. Et on va... aller se mettre par là-bas. Là, ici, j'ai une scierie où il y a des malades, apparemment. Et pourtant, ils ont du chauffage. Ils sont bien. J'ai plus que 210 en bois. Là, j'ai une aciérie. Il va falloir que je mette une scierie quelque part encore, là. Ressources. Aciérie, scierie. Si je la mets par là, ça me bouffe un petit peu des ressources, mais... Alors je la mets là, ça va me bouffer encore des ressources, mais ils ont pas mal de bois à proximité et ils ont la route. Donc, ok. Attends, je vais faire comme ça. Les explorateurs vont pas tarder à revenir. Une personne dispo. Je vais la mettre à... Je sais pas trop où. Peut-être ici au niveau du ramassage du charbon, là dans le poste de collecte, il fait frais. Ah non, c'est un robot qui est disponible. D'accord. Oui, bah le robot, on va le... enfin l'automate, on va le mettre ici lorsque ce sera terminé. C'est la fin de la journée de travail, donc il faut venir finir la scierie. Ici, il y a pas mal de bois autour. Ok. Ok, eux ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? La tour d'observation, ils ont trouvé du bois, c'est très bien. Et ils ont découvert la fameuse nouvelle Manchester, on va vite y aller. Allez, on y va. 11h. Vous avez les traîneaux améliorés les gars. On a fait les 5 maisons. On n'aura pas le charbon. Il faudrait améliorer l'efficacité des aciéries. Oh là là. J'ai une personne dispo, ouais, j'avais dit. Non, c'est un automate. Donc on va attendre qu'il finisse ça, là, il me tarde. Allez, dépêchez-vous, les gars. Voilà. Ok. Ici, il fait un froid de canard, je suppose, bien sûr. On met pas le chauffage, mais on va mettre l'automate. Allez, va ramasser du bois, mon gars. Ok. J'aimerais bien faire une seconde équipe d'éclaireurs, mais je ne peux pas. Le mécontentement, je ne sais pas trop ce qu'il fait, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est la loi qui est terminée sur les rations supplémentaires. Et je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Le triage. Le triage. Rappel du triage, ça permet de soigner instantanément beaucoup de malades, mais un quart des patients mourront instantanément. Et pour chaque décès, ça va poser un petit problème. On a fait le cimetière. On va faire la loi sur les duels, je pense. L'autorisation donnée au duel diminue le mécontentement. Chaque duel spontané diminuera légèrement le mécontentement. On risque d'avoir des morts, mais il vaut mieux qu'ils se... Voilà, le mécontentement a diminué. Ok.
Allez, ils vont arriver à la Nouvelle-Manchester, je pense, là, très prochainement. Voilà, 20 minutes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ici? Cette ville est bien plus grande et plus peuplée que la nôtre, et pourtant elle paraît moins avancée. La Nouvelle-Manchester, là voilà. La faible lueur d'un piètre générateur éclaire tant bien que mal le bidonville qui l'entoure. Il y a tellement de monde ici. Bien trop. Tous ont l'air malades et dénutris. La plupart d'entre eux n'ont même pas de toit. Aïe, aïe, aïe. Rien ne peut les sauver de la tempête à part nous. Alors, qu'est-ce qui se passe si on essaye de les aider? Ouais, leur envoyer de l'aide. Ou bien, nous avons nos propres problèmes. Ouais, je sais que si on doit les aider, il va falloir leur envoyer énormément de charbon, de nourriture, un automate. Et on n'a pas tout ça. On n'a pas. On a déjà du mal à assurer la survie de notre ville. Donc, contrairement à tout ce que j'ai vu, eh ben, on va pas les aider. Je suis désolé. On peut pas. On peut pas. C'est triste. Mais on va aller vers l'arbre brisé et puis on va rentrer. Je sais pas ce qui va se passer. Mais mécontentement va peut-être augmenter parce qu'on ne viendra pas en aide à la nouvelle Manchester. Voilà, nous avons décidé de nous concentrer sur notre mission et d'abandonner la recherche de la nouvelle Manchester. Ses habitants seront livrés à leur sort, un peu comme nous. Alors, est-ce que ça fait bouger quelque chose? Non. Non. Je vois que rien ne bouge, ni l'espoir, ni le mécontentement. Bon, le charbon est en chute libre. Il faudrait vraiment. Alors, au niveau température, on est comment là? On est un peu juste. C'est l'heure d'aller travailler, d'accord? Si je passe en niveau 1 ici, ça va faire baisser fortement. On passe en frais, mais c'est peut-être supportable encore, sauf. Là, il y a un automate. Là, on est très froid, il y a un automate. Ok, la recherche terminée sur les mines de charbon avancées. Voilà, il faut juste monter éventuellement ça pour la serre, ça pour le poste ici. Ah, je vois que l'arche. Alors, si jamais je monte ça, ouais, j'ai baissé l'efficacité du générateur. Je monte volontairement. Ça, est-ce que ça va jouer sur la quantité? Est-ce qu'il vaut mieux mettre à les foyers de vapeur, enfin, augmenter la puissance du générateur ou bien. Oh là là. Pourtant, c'est bon, là, on n'est pas en pénurie, quoi. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la consommation? Là, c'est presque mieux. En bas, ça, il faut le monter. Ouais, ça il faut le monter. On passe à frais. Donc c'est supportable. Les postes de collecte, c'est bon. L'atelier, il est frais. L'atelier, ça c'est froid, ça. Ouais, poste médical. Ouais, il faut vraiment le monter. Ici c'est frais, c'est tenable. Là on est passé en jaune, donc ça doit aller. Le contentement augmente un petit peu, il me semble. Bon, est-ce qu'on est à peu près correct? On est à niveau 1, c'est très peu. Oh non, même pas, on est même pas bon, quoi. Alors, on va essayer de upgrader notre mine de charbon. Ouais, deux noyaux, ça va demander. La vache. 32 aciers. Et là, il me dit un noyau, je comprends pas pourquoi. Ok, ah, il faut repasser vite une loi. Scierie à vapeur, bof. Extracteur à vapeur. Ouais. Ça va permettre d'extraire plus de charbon dans la journée. Eux, ils sont pas arrivés, d'accord. Ok, on n'a toujours pas utilisé la rotation étendue. On ne va pas l'utiliser encore. Me tarde que ça finisse. Là, il y en a pour
un jour et 3 heures. Ok, on y va. Bon, ça devra aller là. On a personne disponible. Notre devoir, les survivants de Nouvelle-Manchester souhaitent vous parler. Je sais que vous êtes investi d'une mission importante, mais mes compagnons mourront si nous ne leur venez pas en aide. Vous n'allez pas les laisser à leur sort, n'est-ce pas? Ah, si on essaye de les aider, l'espoir augmentera. Si notre mission est prioritaire, le mécontentement diminuera. Notre mission est prioritaire. Les arches, c'est bon, elles se refroidissent pas. Là, ici, il y en a un qui est trop froid, le poste, la cantine. Donc, on va augmenter un petit peu le chauffage. Voilà. Je pense qu'on est toujours pas bon, bien sûr, au niveau du charbon. On est même... Oh là là, on va avoir un problème. Est-ce qu'ils ont fini d'upgrader? Non, ils n'ont pas fini d'upgrader ça encore. Allez, allez. Oh putain, on a presque plus de charbon. J'y crois pas. Ça y est. Donc là, bien sûr, c'est glacé, mais... Voilà, on a tout fini. Extracteur à vapeur, ils sont arrivés. Et là, on va pouvoir extraire 36 de charbon. Alors, eux, ils sont arrivés ici. Et ils ont découvert quoi? Deux autres sites. Aïe, 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 aïe. On va aller au véhicule accidenté, 15 h. Vas-y. Allez, il faut que ça produise un peu plus. On a fini, donc, j'ai dit, la scierie, l'extracteur à vapeur. On va l'améliorer de suite. Voilà. Et on va relancer. Je n'ai plus d'acier, je crois. Ouais, j'ai plus assez d'acier pour rechercher quoi que ce soit. Donc, on ferme ça. Ouais. Et on va... Allez, c'est bon. On va attendre d'avoir un petit peu plus. C'est la fin de la journée de travail, mais les aciéries avec les automates devraient continuer à produire un peu. 14 aciers, 15. Ouais, ça monte très très peu. Ici, ils n'ont plus rien à faire. Je leur ferai bien faire des prothèses supplémentaires. Il y en a combien? 3 amputés encore. Il faut de l'acier. Ah ouais, il faut 10 aciers, je crois, pour faire... Zut. Si j'en fais une... Je pense que ça va poser un petit souci. On va attendre un petit peu. Je vais remettre quelqu'un ici. Allez, qu'ils extraient du bois. Ils ont encore combien? 196 à extraire, c'est tout. Ouais, c'est un peu short. L'extracteur à vapeur extrait bien 61,6. C'est pas mal. On est au 21e jour. Le bois, c'est... Non, le charbon, c'est catastrophique. On se maintient tout juste, tout juste. Voilà. On a très peu de malades, 5. Est-ce que je peux relancer une recherche quelque part? Je sais pas. Scierie à vapeur. Oh. Isolation des postes de collecte. Ça serait peut-être bien, mais... Est-ce qu'on pourrait pas... Rationalisation des automates. Ils coûteront 20 de bois et 20 d'acier. Ouais, mais là, je vais peut-être pas en faire forcément beaucoup, l'intégration. Donc là, ça augmente leur efficacité. Et la rationalisation des prothèses, ça coûtera 5 d'acier de moins. Voyons voir si en ressources au niveau de l'acier, non, on est au maximum. Mais si, pour faire le niveau 4 ici, il va me falloir 75 d'acier. En attendant, on va isoler les postes de collecte. Voilà. On aura une chute de température dans quelques jours. Aïe, 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 aïe. On n'a pas le charbon. On va remettre... Ouais, quand je vais remettre les rotations étendues, ça va augmenter le mécontentement. Allez, encore quelques heures à souffrir et après on sera tous morts. Ici, ils font quoi? Ils ont fait une prothèse, là? Ils vont la faire? Ouais, on attend 6 heures du matin pour bosser, bien sûr. Ok. Gardez le rythme. Ouais, c'est le moment, ouais.
Allez, c'est 6h. Ah non, 6h du matin, il bosse pas, il bosse qu'à 8h. Ah. Oh putain. Et j'ai toujours pas lancé. Si, j'ai lancé un truc. Ouais. Isolation des postes de collecte. Mais il démarre à 8h aussi. Bon, dans quelques heures, là, ils sont bien reposés. Dans quelques heures, on pourra remettre les rotations. Et puis, j'ai les éclaireurs qui arrivent. Voilà, la journée de travail commence. Et les éclaireurs sont arrivés au véhicule accidenté. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Charbon, acier. Mais c'est très bien tout ça, c'est très bien. On va bien sûr prendre les ressources, on est là pour ça. Et on va vite aller au Dreadnought de Manchester. Et après on rentre. Ok, on continue. Oh là là, le charbon, on se maintient tout juste, tout juste. Je pense que heureusement qu'on a augmenté la productivité. L'acier remonte un tout petit peu. On n'est pas prêt de refaire un automate, hein. Il faut 100 d'acier, 100 de bois. Même si c'est 95, ça change pas grand-chose. On va reperdre 10 degrés dans 1, 2, 3, 3 jours et demi, 4 jours. Et je pense qu'après, on va encore perdre pas mal. La nourriture est presque à fond, là, je vois. On va peut-être... Ah, ça demande énormément de ressources, le fait de faire des dépôts. On va les faire... On va faire un dépôt de ressources ici. Et je ne peux pas en faire d'autres. Ça m'a pris tout l'acier que j'avais. Un peu d'acier. Ok. Mais on va le mettre sur la nourriture parce que je vois que on est un petit peu juste. Le bois, c'est pas mal. Le charbon remonte. Alors, ils vont nous embêter à la qualité de la nourriture encore. Et là, il nous dit quoi? Si, ils veulent des repas complets. Pourquoi pas? Ok. On va résoudre ce problème. Allez, il nous casse trop les pieds. Promesse tenue. Donc, pour les rotations régulières. Alors, est-ce qu'on va pouvoir produire la cantine? En faire des repas standards. En faire 41. On a une personne qu'on va remettre ici. Et pendant ce temps-là, la serre va continuer à produire. Et petit à petit, on a 3 jours pour faire 41 rations, quoi. Ça devrait peut-être pouvoir le faire. Bien. Nos éclaireurs arrivent dans 3h30 là-bas. On n'a pas nos 8000 de charbon. Voilà, l'isolation des postes de collecte, c'est fait. Je n'ai que 8 aciers, donc je ne vais rien pouvoir faire de mieux. Four à charbon de bois, c'est même pas la peine. Collecte efficace. 25 d'acier. À ce moment-là, il va me falloir de l'acier de partout. Ou alors isolation des serres. Ouais, 20 aciers que je n'ai pas. Les serres industrielles, ça demande 2 noyaux. On va continuer comme ça pour voir. On va faire remonter un petit peu l'acier. Je ne vais pas lancer de recherche, je sais bien. Allez, faites le stockage, là, qu'on stocke un peu plus de nourriture. Ah, j'aimerais bien arriver aux 8000 de charbon, quoi. Mais là, je suis un peu short. La température n'est pas tellement basse, à moins 50. Bon, on produit en plus, d'accord, mais... problème, est-ce que ça va chuter, quoi? La fin de la journée de travail, ils sont arrivés au Dreadnought abandonné. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Acier noyau, très bien. 121 acier, 3 noyaux. Oh, ça c'est fort. Alors, on va rentrer. Si je rentre directement, j'en ai pour combien? 3 jours au moins, non? 22 heures. Si je passe par là, j'en ai 18. Ouais, après, il faut au moins 3 heures pour aller là-bas, quoi. 14 et 14, 28, ouais. On va rentrer directos. 22 heures pour rentrer. Ok, le charbon monte, l'acier monte un petit peu, ils vont en ramener pas mal. Ici, ils ont fait la prothèse apparemment. J'ai encore combien? 2 amputés, donc c'est pas mal. Petit à petit, ça les remet au boulot. Pourquoi ils sont en attente là? Je leur ai pas dit d'y aller. Voilà. Hop, on y va les gars, on perd pas trop de temps. Et ça sera pour le prochain épisode.
faut vraiment que je remonte le charbon, voilà, il faut que je fasse quelque chose. Ce stockage, je le mets pour la nourriture, voilà. Au moins, on est un peu tranquille. J'espère qu'on produit des rations. Là, il me dit que j'en ai produit 12 sur 46. Donc c'est bien, le mécontentement a fortement baissé. C'est pas mal, ouais, mais j'ai pas augmenté la durée de travail, quoi. Bon, on va voir. Pour l'instant, on laisse comme ça. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite des aventures. Allez, portez-vous bien les amis, restez au chaud et à très bientôt. Bye bye.